Mais bonjour, Marianne Zahar, l'auteur et comédienne dans la pièce Memory Box. Et moi, je suis donc Eric Moscardo, donc comédien dans Memory Box. Memory Box qui va se jouer à 17h30 tous les jours, relâche le mardi à partir du 7 juillet au Festival d'Avignon, évidemment. C'est pas un thriller, hein, faut pas être exagéré, il n'y a pas de meurtre, non, vraiment. Non, mais c'est une vraie enquête. Mais c'est une véritable enquête qui nous emmène dans un univers complètement dingue. À mon avis, il y a peu d'enquêtes qui se déroulent comme ça. Voilà, qui mêlent la fiction et la réalité. Oui, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie. On parle de Sarah Bernhardt, je ne vais pas vous le cacher, et vous allez apprendre des choses incroyables sur cette femme. Et déjà, vous allez la découvrir si vous ne la connaissez pas. Parce que c'est vrai qu'elle appartient à une autre génération, qu'on appelle la Belle Époque. Donc même moi, je n'ai pas né. Et mon personnage? Et donc, alors, je joue la directrice, Evelyne, directrice d'un théâtre. Tout se passe dans un théâtre. Et moi, je joue le rôle Bernhardt, donc, qui est le régisseur du théâtre, qui est hanté par la mémoire d'une comédienne du 19e siècle. Et donc l'enquête, c'est de savoir un peu ce qui se passe pour ce régisseur qui espère ne pas être interné, ne pas devenir fou. Voilà. Oui, parce qu'en fait, en regardant cette pièce, on peut se demander, est-ce qu'il est dingue en réalité? Et que Evelyne, la directrice, fait tout son possible pour le sortir d'affaire. C'est un petit peu ce qui se passe. Bon, après, à la fin, vous verrez si vous y croyez ou pas. En tout cas, vous allez apprendre des choses incroyables. Vous aurez peut-être même l'envie d'acheter le livre Sarah Barnum, si vous le trouvez. Mais je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, c'est une pièce qui rend heureux, m'a-t-on dit. Hein, oui, c'est vrai qu'on a eu de bons retours de personnes qui ont vraiment beaucoup apprécié. Ouais, donc on vous attend donc à 17h30 à l'Ambigu Théâtre. 7 rue de la Bourse. Voilà. Et pour 1h15, trépidante. Parce que ça n'arrête pas, je vous l'assure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.